Pour vous, Firing Range n'est qu'un simple amassis de petits drapeaux pack-a-punch, de planches de bois nous faisant penser aux barricades zombies. Un teddy bear par là, un teddy bear par-ci. Alors qu'en fait, cette map cache une vraie histoire. Sur un des murs se cache un message, Next time, bring beer. Au-dessus, il manque une partie de ce message. C'est en fait, come back soon, ce qui veut dire, revenez vite, et la prochaine fois, apportez de la bière. En changeant une lettre du mot bière, on obtient ours. On peut également voir des alarmes en fonctionnement, donc cet endroit était bel et bien habité, mais par qui? En dehors de la map se cache un panneau très très connu. Et sur ce panneau, il est marqué Gateway to Hell. Ça veut dire porte dans l'enfer. Vous entrez en quarantaine, libéré par le 2e bataillon de 7e cavalerie. Mark Curran est en fait un travailleur à la retraite qui a travaillé à Silicon Valley, dans le Nova Workforce Board. Mike Curran a le vertige, le rapport, je ne sais pas. En tout cas, il a travaillé au Nova. Nova, aurait-ce un rapport avec le gaz? Je vous explique tout de suite pourquoi. En effet, dans Firing Range, il y a des douches, mais pas n'importe quelle douche. Car regardez bien, il est mis quarantaine sur le côté, ce qui veut dire qu'on est enfermé, à vie. Et pourquoi? Eh bien tout simplement car à l'extérieur de ce bâtiment, sur le mur figure le panneau du signe Nova, donc le gaz Nova qui est tout à fait mortel. De plus, il est de nouveau marqué quarantaine sur l'extérieur de ce bâtiment, et à l'intérieur d'un autre bâtiment sur un tableau, il est marqué douleur, barré, donc pas de douleur. Cette zone était surveillée par l'armée car il y a des dortoirs à l'extérieur de la map et un Yui. Ce panneau m'intrigue également car dessus il est marqué « Sur cette installation, tout le personnel et les propriétaires qui ont le contrôle sont sujets à des recherches, usage de la force mortelle autorisée. » Sur cette fenêtre figure un reflet étrange, on reconnaît clairement le bâtiment avec les radios et tout le contrôle à l'intérieur. Et pourtant, quand on va devant ce bâtiment, sur le mur, on ne voit pas ce reflet. Étrange, n'est-ce pas? Au pied de la tour, il y a une porte, mais il faut un code pour l'ouvrir. Que cache cette porte? Qu'y a-t-il derrière? On ne le sait pas, et on ne le saura jamais. Cet endroit était bel et bien surveillé et protégé par l'USMC, le corps des Marines des États-Unis d'Amérique. À l'extérieur de la map, en haut d'un château d'eau figure une étrange forme. Cette forme a en fait la forme d'un crâne. Mais pourquoi? Y aurait-il des morts ici? Cela confirme mon hypothèse. Les gens étaient en fait gazés, tués, détenus. C'était une zone de quarantaine, un camp de concentration, un génocide, on ne sait pas, on ne le saura jamais, et c'est tout ce que cache la map Firing Range.